Bonjour les CE1, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la fiche 94. Pour l'instant, n'ouvre pas ton fichier, nous allons d'abord faire un petit problème de découvert. Je vais te le lire. Alex a 34 fraises, il les partage en 4 paquets qui doivent avoir le même nombre de fraises. Donc dans chaque paquet, il doit y avoir le même nombre de fraises, dans chacun des 4 paquets. Donc on te demande d'effectuer la distribution, ça veut dire distribuer les fraises dans le paquet de manière équitable, puisqu'il doit y en avoir autant dans chaque paquet. Et les deux questions sont, combien y aura-t-il de fraises dans chaque paquet, et restera-t-il des fraises? Alors je te rappelle que le tout, c'est les 34 fraises, ce sont les 34 fraises qu'a Alex. Et puis Alex, il doit les partager, les distribuer dans 4 paquets. Alors, pour assurer la distribution des fraises, j'en mets une ici, ça fait 2, 3, pardon c'est mal fait, et 4. Je continue, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11, 12, je peux continuer parce qu'en étant à 12, je suis loin de 34, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tiens, 32, je suis tout proche de 34. Si j'en mets une ici, 33 et 34, je pourrais pas en mettre en dessous, donc je dois m'arrêter à ces 32 fraises. Donc je vais compter combien il y a de fraises dans chaque paquet. Oups, pardon, j'en ai oublié une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fraises. Je vais m'assurer qu'il y en a bien 8 dans ce paquet-là aussi. Oups, alors je suis désolée. Ah, bah dis donc, je sais pas ce qu'il fait mon crayon là. Donc je vais aussi compter dans ce paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, il y en a 8 également, et ici aussi. Donc j'ai mis 8 fraises dans chaque paquet, et je suis arrivée à 32 fraises. En fait, c'est dans la table de 4, dans 34, combien de fois 4? Et 8 fois 4, ça fait 32, c'est la table de 4. Donc comment est-ce qu'on va écrire ce calcul? Eh bien, on va écrire 32, le tout, est égal à 4 fois 8. Alors, je te répète, je te réexplique pourquoi. 1 fois 8, 2 fois 8, 3 fois 8, 4 fois 8. Et 4 fois 8, on a compté que ça faisait 32. Puis si tu connais ta table de 4, tu le sais aussi. 32 plus il va rester 2 fraises. 32 plus 2, ça fait bien 34. Pardon, au départ, je me suis trompée. Hein. Excuse-moi, c'était le tout, c'était 34 fraises. Donc 34, c'est égal à 4 fois 8, 32, plus les 2 fraises qui restent. On aurait pu également écrire ça sous forme de division. 34, le tout, divisé par 4, puisque j'ai 4 paquets, c'est égal à 8, parce que j'ai trouvé 8, et tu sais bien qu'on met virgule, reste 2. Il reste 2 fraises que je ne peux pas distribuer. Alors dans le fichier, aujourd'hui, on va te demander de l'écrire en ligne comme ça avec la multiplication. Donc le tout 34 est égal à 4 fois 8, qui fait 32, plus les 2 fraises qui restent. Combien y aura-t-il de fraises dans chaque paquet? Donc normalement, on fait une belle phrase réponse. Il y aura 8 fraises dans chaque paquet. Restera-t-il des fraises? Eh bien, on voit bien, oui, il restera 2 fraises. À présent, tu peux ouvrir ton fichier sur la fiche 94. Écris bien la date en haut en abrégé. Premier problème, c'est Noam qui a 25 billes et il doit les partager en 4 paquets. Ils sont ici, les paquets. Alors attention, on a déjà dessiné une première bille dans chaque paquet. Il faut que tu distribues les billes dans chaque paquet pour qu'il y en ait autant. Il faut donc continuer la distribution, écrire la multiplication en ligne, combien de billes tu as trouvées dans chaque paquet et avec quel reste, et compléter la phrase réponse.
Ensuite, trois enfants se partagent 17 bonbons. Voici les 17 bonbons. Ils sont là, ces trois enfants, en avoir le même nombre chacun. Donc tu vas distribuer les bonbons. Combien chaque enfant reçoit-il de bonbons et restera-t-il des bonbons que tu ne peux pas distribuer puisqu'il s'agit d'un partage équitable? Il va falloir écrire la multiplication en ligne et le reste s'il y en a un. Compléter la phrase réponse. Problème numéro 3. Les enfants préparent la salle de spectacle. Ils ont 27 chaises à placer. Ils les mettent sur 3 rangées. Alors tu pourras dessiner les 3 rangées. Tu pourras distribuer les chaises dans chaque rangée. Et combien, donc 3 rangées hein, qui sont égales, ça veut dire que c'est un partage équitable, il doit y avoir le même nombre de chaises dans chaque rangée. Combien y a-t-il de chaises par rangée? Donc ici tu écriras l'opération et ici la phrase réponse. N'hésite pas, et c'est quasiment obligatoire, de faire un petit schéma où tu vas distribuer les chaises. Réponds par oui ou par non. Dans une classe, il y a 24 élèves. Le maître veut répartir tous les élèves dans 3 groupes égaux. Est-ce possible? Donc tous les groupes doivent être égaux, donc autant d'élèves par groupe, sachant qu'au total, il y a 24 élèves dans la classe. Donc là, tu peux faire évidemment un petit dessin sur l'ardoise, c'est même recommandé. Ensuite, c'est dans une classe où il y a toujours 24 élèves. Le maître veut répartir tous les élèves dans 5 groupes égaux. Cette fois-ci, il veut faire 5 groupes. Est-ce que c'est possible? 5 groupes égaux, ça veut dire qu'il y a autant d'élèves dans chaque groupe. C'est un partage équitable. De même, n'hésite pas à faire un petit dessin, un schéma sur ton ardoise. Travaille bien. À bientôt les CE1.